Mrahba bikoum, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va faire une recette de crème au beurre avec deux ingrédients, une crème au beurre au chocolat. Nous allons faire une crème de zibba avec les ingrédients. Nous allons voir le maqadir. Nous avons 250 g de zibba, 250 g de margarine. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Donc, on a un des 250. Nous y avons 150 g de chocolat noir, le chocolat de Hibito, autre chose, c'est encore mieux. Donc on aura besoin de 150 g de chocolat noir de votre choix, la marque de votre choix. Voilà, 150 g. Nous mettons les deux ingrédients. Je vais mélanger la margarine et le chocolat. Nous mettons les deux. Et on va fondre le tout au bain-marie. Donc, une fois le chocolat bien la margarine est bon, là. C'est bon, donc vous voyez, une fois notre chocolat et la margarine ont fondu, on va couvrir et mettre au frais 2 heures à 3 heures. Donc on couvre le mélange bien là, on va mettre le lait ou la tlata, c'est pas méchant. On va mettre le frigidaire et on revient après. On va mettre après. Donc voilà le mélange d'Yelna après 3 heures de temps de frigidaire. Comme vous voyez, ça a gelé. Notre mélange après 3 heures de temps au frais. Donc là, je vais retirer. Voilà, là, c'est le kawam d'Yel compacta. Les deux. Donc, comme vous voyez, le chocolat avec le tahf. La margarine de l'art. Donc on retourne tout avec un batteur, on va battre avec un batteur. Ça, le mélange bien là, clair, il va doubler le volume. Donc la couleur va changer, ça va devenir plus clair. Voilà, comme vous voyez, ça a changé de couleur, la couleur viendra, ou l'être un peu plus clair. On retourne environ 10 minutes avec peut-être ou les plus clair, doubler le volume viendra, et après on arrête.
Voilà, là, c'est bon. Normalement, on a notre crème au beurre. La bizette. Donc, c'est très bon, bizette bénina. On sent pas la margarine. Nous on dirait un clou du chocolat, une mousse au chocolat, on dirait une mousse. Maintenant, on va essayer de chouiller un crouton avec le batteur. Maintenant, on a une poche à douille, scie comme une fleur, pour voir comment ça va être le dessin d'elle comme qui fait chiffon. Donc c'est une crème au beurre bizette celle-là, réussite à 100%, la trabouche est très bonne, voilà, regardez, c'est joli, les dessins d'elle vont mis bien omelette. Donc n'hésitez pas à l'essayer parce qu'elle est trop bonne. J'espère que la vidéo t'a animé à l'aise comme vous avez. Si c'est le cas, maintenant c'est au chef d'héros un j'aime, partagez. Cherchez-vous si c'est la première fois que vous voyez ma chaîne. Et à très bientôt pour d'autres recettes, Inch'Allah.